Salut les gars, voilà la partie 2 de mon vlog Ma vie au Texas en partenariat avec le réseau social Gettr. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous le mets en fiche. N'hésitez pas à les regarder dans l'ordre, c'est toujours mieux. De la PBR, Fédération Professionnelle de Bull Riding, de rodéo sur taureau, on va dire. Aujourd'hui, c'est pas un show rodéo, c'est pas des mecs qui montent sur les taureaux, c'est des mecs qui se battent contre les taureaux, c'est-à-dire qui doivent faire le show dans l'arène et éviter les taureaux qui leur foncent dessus. Ça va être vraiment, vraiment cool, je pense. We ask you to also put a special hand for our servicemen and women, those that serve here within our nation and those that serve abroad. Help to be with them, guide them. Allow their leaders to make the strong and safe decisions to ultimately send them all home to the loved ones that miss them so. We ask all these things in your most gracious and heavenly name. Amen. Amen. Bon là, ça s'est mal passé et il y en a un qui part à l'hôpital sur un brancard, il a probablement les jambes cassées. C'est vraiment pas un sport pour rigoler. C'est impressionnant qu'il s'est fait juste éclater par le taureau, quoi. J'en profite un petit instant pour vous parler de Kalos, qui est un des partenaires de ce voyage. Kalos, c'est une marque de vêtements de fabrication française qui fait des t-shirts, chinos, des suites, notamment celui avec le FAMAS que moi j'aime bien, mais ils font aussi d'autres choses comme des couteaux tactiques qui sont les mêmes que ceux utilisés par l'armée française. C'est un couteau que moi j'utilise régulièrement maintenant. Et le petit truc en plus que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce sont les chevalières comme celles-ci qui sont vraiment très stylées. C'est des chevalières en argent qui sont faites par un joaillier lyonnais. Comme tous les produits Kalos, c'est des produits vraiment de grande qualité. Ils essayent un petit peu de mettre du haut de gamme dans la patriosphère, dans les produits de la patriosphère. Alors, vous pouvez utiliser mon code BENCH10 pour avoir une réduction sur l'intégralité du site. Et vraiment, allez voir, il y a sûrement un des produits qui fabriquent qui peuvent vous plaire. En attendant, soutenez-les car vous nous soutenez aussi. Do I sit down? Feel free to sit wherever you want. That's good to be here again. Yeah, haven't seen you forever. Yeah. You know what? I'm like since the last week. Yeah. And I'm staying all the month, so. Gotcha. We will see each other again. Sounds good. Yeah. Ici, c'est vraiment le coiffeur où je vais tout le temps quand je suis ici. C'est le salon de Taylor. C'est un salon latino, vraiment. Je crois que je suis le seul blanc à venir là. Mais parce que c'est un pote à moi qui travaillait pour lui, qui m'avait montré à l'époque, et puis il est tellement cool et puis tellement professionnel que du coup, bah, je vais tout le temps au même endroit.
Alors ici, le truc qui change par rapport au, à chez nous, c'est que les latinos, ils font tourner le siège. C'est pas eux qui tournent autour de toi, en fait, ils font tourner le siège pendant qu'ils te coiffent. Tu n'es jamais face au miroir. Hein. C'est comme ça. Things don't change. You still do a very good job. Appreciate that, brother. Thank you, bro. Okay, see you maybe next week. Yeah, yeah, let me know. Ici on est chez Our Place, c'est pour moi le meilleur petit déjeuner du Texas. D'ailleurs ils ont été élus beaucoup de fois meilleur petit déjeuner du comté, etc. C'est que du fait maison, ils ont un énorme large choix. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici le matin, le week-end il y a carrément genre 40-45 minutes d'attente pour manger là. Et il y a tout, et en fait c'est vraiment tout vraiment fait maison, donc les pancakes sont vraiment énormes. Vous avez pancakes genre avec la farine de citrouille, avec la farine de pécan, avec le buttermilk, il y a plein de choses comme ça, les omelettes, etc. Enfin il y a toutes les sortes d'œufs, il y a 4 pages de menu. C'est vraiment délicieux, moi j'adore venir ici. Là on va voir ce qui va arriver. Et voilà. Pas magnifique ça. On va passer à la suite. Fini la gauche. C'est que fruit parce qu'il faut quand même penser à l'équilibre alimentaire. What's up? We go directly. What's that? We go directly. We go directly. Yeah. I'm not too bad. That's good, dude. Cette activité de plein air, tranquille. Il a acheté cette propriété à la campagne là. Il y a 5 hectares. Il s'en sert pour tirer, faire ses trucs. C'est constructible, mais je crois qu'il veut faire une petite baraque, je sais pas où. Et puis il s'en sert pour chasser aussi. Parce qu'on est à côté d'une forêt nationale. Donc il y a pas mal d'animaux qui viennent ici. Dans la forêt, t'as pas le droit de construire ni rien, donc c'est rempli d'animaux et ils passent par là. C'est juste à côté là, juste derrière le grillage. Voilà, moi j'ai pris le pulled pork, et les saucisses. Et le coach a pris le brisket et la saucisse aussi. Texas toast. Le Texas toast, c'est genre une sorte de pain de mie plus épais. C'est entre le pain de mie et le pain brioché. C'est vraiment entre les deux. Et avec, j'ai pris les haricots et le mac and cheese. On va se régaler. Come on!
rendez-vous normalement avec les mecs de Cigars and Guns ici. Baptiste? Yeah, nice to meet you. I'm Cameron, nice to meet you. It's okay for some footage? Absolutely, yeah. Yeah, that's what you're all about, right? Cool. It's man good. Awesome. Do you want to check out the humidor first, or do you want to tour the lounge first? Adrian is here. Adrian, yeah. Would you like maybe me? I will just say hi. So yeah, want me to take you back? And after you will show me? Yeah. I've seen it, yeah. So you have to use human one, but you have to see some dying kids. That's terrible to see, but yeah, I know, but just try to watch it. I know, exactly, yes. Thank you so much. Bon, ici c'est la pièce VIP en gros. On vient de Adrien qui s'occupe de Cigars and Guns. Okay. Vintage stuff in here. C'est comme on avait eu. I just translate for the viewers. Et c'est comme on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a deux humidors. Là, c'est les trucs plus généraux, etc., plus les abordables. Et ici, c'est déjà les trucs plus premium, plus voilà. Pretty much, we have more of a boutique-ish type selection. We go with more quality over quantity. So sometimes smaller manufacturers, sometimes bigger manufacturers with less of a wider name. It's more about their, instead of putting money into advertising, TV, magazines, things like that, they put it more in word of mouth, such as Atabey. One of the best cigars in the world compared to it's as like far pretty, as ours. Pretty like in horror the industry. Yes. No, not just cigars. Yeah. Not because you put some money in advertising that you have the best thing. Exactly. I mean, but people is like, you know, they want the stuff they know. So sometimes they're looking for brands specifically, but don't know that something is better for us. Exactly. Ça, c'est un Mingun. Ça va tirer 250 cartouches en moins de 5 secondes. Ça va être incroyable. 762 shoots like 6000 RPM. Yeah. Là, on est dans un vrai truc mexicain, c'est ce qu'il me disait, c'est que
Là, c'est pas genre Tex-Mex ou tacos ou quoi, c'est vraiment, vraiment de la bouffe mexicaine. Et c'est super traditionnel et c'est un petit truc typique. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent ici alors que c'est un tout petit truc parce que c'est pas cher et que c'est vraiment typique, quoi. On va goûter ça. Ça veut dire écrevisse et canon en gros. On est à Fort Belknap, c'est un ancien fort. Un ancien fort qui a été construit. Enfin, il a arrêté de fonctionner en 1870, je crois. Donc c'était un fort de l'armée pendant la guerre contre les Indiens. Et on est à un concert de country, un festival de country qu'ils font tous les ans. Ils appellent ça Crawfish and Cannons parce qu'il y a des canons du fort qui vont faire. Normalement, ils vont tirer avec tout à l'heure, je vais essayer de filmer ça. Il y a vraiment une bonne ambiance. En fait, ce qui est marrant, c'est de voir le gros drapeau Come and Take It avec le canon. C'est un drapeau qui date de l'indépendance du Texas à l'époque dans la guerre contre le Mexique. Ils avaient pris un fort et en fait, les Mexicains avaient laissé les canons et ils disaient en gros, on va revenir pour reprendre nos canons. Et donc les mecs disaient, bah, Come and Take It, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est un symbole un peu de l'indépendance du Texas, mais aussi du. Un symbole pro-arme, parce qu'en gros quand les mecs disent bah on va venir prendre les flingues, aujourd'hui le canon c'est les flingues, bah venez les prendre, en gros c'est ça. On va essayer de se balader un peu, d'aller voir les stands. Un véhicule militarisé du bureau du shérif. C'est très stylé. Normalement il y a les stands de barbecue où justement ils font les écrevisses là, pour en prendre tout à l'heure. Le concert qui va commencer par ah bah les t-shirts du les t-shirts les tasses tiens il y a des trucs stylés you a pickle spear deep fried. Okay. So it's like for the perfect thing to have a heart attack. We're not trying to kill you. America. you know, dip it in deepest ranch. America. Dip it in ranch and then it makes it even worse for you. Good. Brisket. Good. Ma'am. Haché et épicé déjà, c'est hyper bon, ouais. Fumé, avec les bons haricots traditionnels. Et ça c'est une salade de pommes de terre, alors ça ressemble pas à une salade, ça ressemble plus à une purée, mais c'est très traditionnel. On en trouve beaucoup ici. C'est super bon. Say hi. Hi. Regardez la taille de la maison de Jason. Déjà, ça fait 10 minutes
que ça fait 5 minutes qu'on roule dans sa propriété. Ça arrive jamais, il y a des rats, des hangars et tout. Il me fait non, t'inquiète, continue à la maison, je te vois. Théma, la maison. La maison, c'est un château. Je sais pas qui c'est, sa femme. Mais, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, la maison, je sais pas, elle fait, je sais pas, 600 mètres carrés. Un truc comme ça. Si mon truc, il se met bien cet enfoiré, je comprends pourquoi il est tout en vacances au Mexique. Oh no! How are you, my friend? Yeah, that's my mom, Terry. I didn't know she was at the house. I thought you were at the barn with dad. I was, but they were messing with stuff that I didn't even want anything. Ah, shut up, children. So hop in the truck and we'll drive out in the field. Yep. And I'll ride with y'all. On the grace? Yeah, yeah. I'll ride with y'all. Yeah. She looked at me like it was Rosie that I heard barking. You know. She looked at me like an illegal. You know. And say, well, what is this French dude in my bag there? I'm looking for Jason. And she answered me, there is no Jason here. And I was like, but I'm talking to him actually, you know. She must have walked from the barn, you know. Oh, that's so funny. And I walked up and I was like, oh no. And she had this confused look, but she actually acted, she's all right. But the dog was happy to see me. Yeah. I bring something to you. I brought something for you too. Oh yeah. Yes. You know what is it? You told me about Armagnac. Yeah. Because we talked about how some of them are too sweet for me, and you said I've got one that you need to try. Yeah. You got it. You know, it's like it's the oldest alcohol in Europe. Uh huh. Because it come from the Middle Age, and back in the day it was only for the king. Right. It's like cognac. But coming from a little part of France, you have to do it on this part to call it Armagnac. And it's like more country, more stronger. Mm-hmm. It's like a fine alcohol, but more stronger, you know? Okay. It's, you will probably like it. Well, thank you very much, yes. You're welcome. No, I brought you a small sample bottle of Pappy Van Winkle 15. Oh, yeah? Yeah, you said I'd want to try it, so I don't have any extra bottles, and this one was open, so I just poured you some. Thank you, bro, thank you. Let me grab it for you, we'll put it in your truck. Il m'a trouvé un extrait d'une bouteille de Pappy Van Winkle. Il faut savoir que c'est un bourbon qui est quasiment introuvable, c'est extrêmement rare. Lui, il en a parce que c'est un énorme collectionneur. Et donc, du coup, il m'en a donné. It's voilà, from 2017 was the year that was. This is from. Thank you, brother. Yeah, thank you. So 3 ounces. I really appreciate it. Yeah, I know you wanted to try it. So yeah, there you go. It's so rare. Yeah, exactly. It's like almost impossible to find it in Europe. Well, it's impossible to find it here. When you do find it, it's so much money that you can't you can't Why? Pay for it. It's just supply and demand because people will pay. You know, they don't release very many bottles a year, you know, and it's in the low thousands. And so even though the retail price is, say, it's $300, people will pay $3,000 for it, you know. And so the liquor stores, they know that. And if they've got a bottle, if you want it, it's $3,000, you know, so. $50. I load my ammunition myself. Okay, so you load it? Yeah, I load. How many grain is it? The powder in there is, there's 100 grains, 96 grains of powder. The bullet's 570 grain bullet. Yeah. Okay. At nearly 2,200. C'est du 500 Nitro Express. C'est un des plus gros calibres au monde. C'est un calibre de fusil. Ça va dans ce fusil-là. C'est pour tuer les éléphants, normalement. C'est quasiment introuvable. Je suis en train d'essayer d'en chercher un pour en avoir un en France. Quasiment introuvable. Regardez-moi ça. Ça pèse une tonne. It's like a lot of weight. Yeah, and whenever you shoot it though, it's the weight. If it was much lighter, the recoil would be really bad. You have to be so heavy. Yeah. That's right. Ouais, c'est vraiment. On voit la gravure de l'éléphant là. Sans Nitro Express, premier essai.
le menu en haut, il y a les différents bois qu'ils utilisent pour fumer la viande. Et en gros, à côté de chaque plat, il y a écrit quel bois il a utilisé pour fumer. Donc le mesquite, le bois de pécan, le hickory ou le chêne. C'est marrant, hein? Mais non, le hêtre, pardon, je crois. Ils prennent du maïs, ils le mettent dans le parmesan, la mayonnaise, le beurre et le paprika, et après le frit. Voilà, normal, c'est normal. Very good for you. Texas. Yeah, just Texas food, perfect for heart attack. Yeah, exactly. Et moi j'ai pris un sandwich au pastrami frit parce que tout est frit évidemment. And it's corn in there too, so it's really no nutritional value at all. Nothing. There's nothing in here. That's right, nothing is good in it. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.